c'est Tipar, le voyant rouge est allumé. Ça veut donc dire que je suis en train de enregistrer une vidéo. Bonjour à tous, c'est Tik Makushi. Yo, c'est Tik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Void Bastard. On va découvrir ensemble ce que ce petit jeu nous réserve. C'est parti. Alors, concierge, salut. Alors, Void Bastard, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Comment le décrire? Pour moi, ça ressemble à un roguelike. C'est-à-dire, on doit passer de niveau en niveau pour aller le plus loin possible. Et dans tous les cas, genre, la mort est inévitable. J'aime beaucoup le style graphique du jeu. Ça ressemble à, bah, les contours noirs comme ça, je trouve ça ressemble assez bien entendu à Borderlands. Et je trouve ça assez joli. ETA for arrival of supply vessel, 3 days. Probability of survival for 3 days, 8%. Sympa. Il y a moyen que, oui, d'ici 3 jours je sois déjà mort. Donc comme je disais, c'est un jeu où à mon avis on va mourir assez souvent. Je pense. Baisse-toi. Fuck, j'ai déjà pris les balles. J'aimerais bien trouver des balles. Return to the Steve is now recommended. Et la carte pour sortir via Steve. Ouais. Ok, donc les étoiles, c'est des trucs à fouiller là. Très bien. Très très bien. FYI, a vessel associated with dangerous occurrences is approaching. Might I suggest a rapid evacuation addendum? The vessel is docked and dangerous occurrences are now imminent. Looks like we left some survivors. Do a sweep and clear the ship. Ouais. Aïe. Bah lourd. Life support systems. Excellent. Return to the void arc is now possible. Note to self. Issue more bullets to replacement client. Bon, je pense que c'était prévu qu'on meure assez rapidement, même si je pense que je pouvais réussir à sortir. J'ai mis un peu de temps à partir. Ah d'accord, pas de soucis, le jeu s'attendait à ce que vous mouriez. Ouais. Merci. Tout. Clic-clic. Split. Discarding unregistered acquisitions. Retrieving loaned weapons. Steve cleared for return to Void Arc. C'est marrant cette histoire là. C'est super drôle. Le délire est vachement cool, je trouve. P45 filed. Steve cleared for docking. L'univers est bien bien sympa. OH&S violations have resulted in a premature end of life situation. Recruiting replacement client. Issuing WCG client care package. Congratulations. You have been selected to assist with an emergency staff turnover. Welcome to your induction seminar. Unauthorized persons have boarded this vessel and rendered it inoperative. Your action item. Restart the FTL drive. Okay, I need to see your citizen card to authorize the restart. As a WCG penal client, your citizen card has been shredded. Don't worry, you'll find parts to construct another one from on nearby vessels. The parts you need are a line printer and an ID card. Once you have the parts, you can assemble them on the Steve's workbench. Valued client, please follow the bouncing arrow.
Oui. Ok, donc ouais, on a des chemins à faire. Ouais, c'est vraiment un roguelike. Did you notice that there's a buzz box on this vessel? Requisitioning it would not be substantively illegal. Although flattering to your figure, a starvation diet can be damaging to your health. Requisition food from LuxCorp vessels. Ok, c'est parti. Donc si j'ai bien compris, on est un détenu. Et donc du coup on n'a pas vraiment de droit. On est envoyé pour un peu pour crever quoi, pour chercher des trucs. Et si jamais on meurt, bah du coup c'est un autre détenu qui prend la relève. Je sais pas quand il fait noir comme ça là. Lost? Fuel and part locations can be downloaded at the helm. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut tuer, des gens en étant détenu. Berk. Aïe. What? Les dégâts qu'il m'a fait. Ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je suis en train de tuer tout ce qui est, tout ce que je croise. En même temps, si je les tue pas, ils me tuent. Quand il explose, ça fait mal un peu. WCG imposes severe penalties for self-asphyxiation. You can reposition supplementary oxygen in Atmo modules. Oh putain, la mutation. Ouais. Laisse-moi. Vas-y, reviens. Ok, donc les trucs qui explosent, si je les tue de loin, ça me fait rien. Je prépare un café. Ah! Je m'y attendais pas, putain. Bah, j'ai tout fouillé, c'est le moment de se barrer, hein. Failure to provide maximum cooperation to WCG guards. Au revoir. J'ai ramassé plein de trucs. Ouais, du coup 6 jours de nourriture, faut attaquer des vaisseaux pour pouvoir avoir de la nourriture, pour pas crever. Il faut aussi des carburants visiblement. Donc on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque vaisseau, je pense. Mais faut quand même aller sur certains vaisseaux quoi. Okay. Donc quand tu construis une arme, ça t'ouvre d'autres armes autour. Très bien. Oh, ce gros truc. Comme vous pouvez le voir, quand on fait un vaisseau, mais on ressort pas full vie. C'est-à-dire que si j'ai pris ma race, bah, je reviens pas sur un vaisseau après, comme si de rien n'était. On me dirait tu. Par contre, je vais être obligé de passer par là, donc. De pas affronter les tourelles sans avoir un plan, mais ah, c'était ça mon plan. Écart,
qu'un carburant on peut faire un saut. Je crois. Je suis mort. Oh putain, j'ai marché dans un truc qui glisse. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh putain, ça s'arrête pas. Oui. Ça s'arrête pas. Je pense qu'on va rentrer, on a pris un carburant, ça va nous permettre d'aller sur un autre vaisseau parce que là, c'est compliqué, si je continue, je vais mourir. Aïe! 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 Merde! J'ai pris un peu cher là. Vous voulez pas tirer et vous tuer? Quoi? 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 Ça passe à travers! Je crois que ça va être. La première mort du coup, en dehors du début. Oh, fait chier. Adieu. Oh merde. Ah, du coup je garde les armes. Ça c'est cool. Bon du coup on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi et puis peut-être que je referai des vidéos sur ce jeu. En vrai j'aime bien le délire. Le délire est cool. Graphiquement c'est beau, le gameplay est sympa. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos dessus. Pour ce qui est du jeu, bon, comme d'habitude, disponible sur le Game Pass. Si vous avez le Game Pass, vous pouvez en profiter. Si vous l'avez pas, n'hésitez plus. Je pense que quand j'aurai plus d'abonnés, je vais contacter Microsoft, ou tout du moins le Game Pass, pour avoir une petite OP, parce que bon, avec tous les jeux que je fais sur le Game Pass, MDR. Oh mais écoutez, franchement, à chaque fois ils proposent des jeux assez sympas, donc si vous cherchez d'autres jeux, enfin, si vous hésitez à prendre le Game Pass, et que vous cherchez à voir les jeux qui sont disponibles dessus, pour vous convaincre, vous pouvez regarder... certaines vidéos que j'ai faites, notamment sur le jeu de vélo, aussi Operantia. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le jeu des manèges, des crash tests de manège. Puis voyez par vous-même, hein, vous regardez si vous avez les. Enfin, si vous êtes sur Xbox, vous regardez les jeux qui sont disponibles dans le Game Pass avec les petits trailers et tout. Franchement, ça vaut le coup. Parce que je crois que c'est peut-être 10€ par mois. Et puis vous avez plein de jeux, même si c'est des petits jeux, il y a quand même de temps en temps des gros jeux qui sortent, qui sont directement sur le Game Pass dès leur sortie, donc ça vaut le coup, faut renseignez-vous. Putain, franchement, faut vraiment que je fasse une OP Game Pass. Faites monter le chiffre d'abonnés, je ferai une OP Game Pass. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo à vos amis, vous pouvez partager la chaîne également. Histoire de faire gonfler le nombre d'abonnés. Bah du coup dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis je referai une vidéo dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.